Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur un let's play de Infamous First Light. Alors, résumé de l'épisode précédent, donc Shane nous tenait parce qu'il avait notre frère et une certaine Jenny a voulu nous aider. Donc elle nous a expliqué le système des drones de la police que Shane a sous sa botte, donc elle nous avait aidé à les détruire, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc elle nous avait aidé à les détruire, et parce qu'elle nous a aidé, ben Shane l'a tué. Voilà, donc on s'était arrêté à ce moment-là. Alors, où est-ce qu'il se situe ce putain de drone? Il y a le château d'eau. Moi je suis où? Alors, la rame de train, elle est là. Ouf. Il y a le DUP pas loin. Il passe devant la Space Center, il prend une petite rue. Donc, on doit détruire ces drones. Parce que, grâce à ça, Shane arrive à nous repérer. Toc, toc, toc. C'est pas facile à se repérer. Oula, oula, le beau monde. Pile au-dessus d'eux. Ah, voilà, il passe devant la rame de train. Zut. Là. Tu l'avais pas vu venir, celle-là. Voilà, je peux m'occuper du DUP. Moucha. Arrête de t'enfuir. Il se la prend de poing. Oui, il est encore là. Moi non plus. J'ai plus aucun visuel sur vous. Et il se casse. Il en manque un. Il est où? Il est en bas. Ding! Le dîner est prêt. Ding! Alors, pour la question du jour, quel est votre personnage d'Infamous Second Son? Puisque là, dans celui-ci, on n'a que Fletch. Mais dans Second Son, quel a été votre Quel a été votre personnage préféré parmi Delsine, Fletch et Eugène? Vous pouvez compter comment il s'appelle déjà? Celui qui a la fumée, là, je sais plus son nom. Celui qui avait la fumée, je sais plus du tout son nom, vous pouvez le compter, mais bon, vu que c'est un personnage qu'on n'a pas trop vu. On s'en fiche un peu. Donc moi, pour ma part, c'est Eugène. J'ai beaucoup aimé Eugène. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais Eugène est timide, il est nul, machin et tout. Mais le truc, c'est que c'est son personnage. C'est un personnage qui doit être comme ça. Et le fait d'avoir mis un personnage comme ça, qui, grâce au contact de Delsine, devient soit plus fort mentalement, plus courageux, ou, suivant la version que vous avez jouée, plus méchant, il se lâche complètement, moi, il m'a beaucoup plu. Et puis aussi, c'est surtout son pouvoir, quoi. Le pouvoir qu'il avait, c'était vraiment THE pouvoir. C'était le pouvoir de la création, ange et démon et tout. On pouvait voler avec. Si on améliorait son pouvoir au maximum, on pouvait voler. Alors là, grâce à ce DLC, c'est vrai que je commence à plus apprécier Fletch. Donc on apprend à mieux connaître son personnage. On est non-stop avec elle, donc c'est rigolo de l'écouter parler, de rigoler.
Donc c'est vrai qu'on apprécie plus facilement ce personnage qui est franc. C'est un personnage franc, quoi. Elle le dit, la chaîne, elle dit oui, je tire sur les gens, mais c'est pas ça que je veux, c'est parce que mon frère est là qui m'en empêche, que voilà. Je suis allée un peu trop loin. Donc voilà, là on apprécie le personnage. Mais moi, pour moi, dans celui de Second Sens, c'était Eugène. Voilà, donc à vous de me dire quel a été votre personnage préféré dans Infamous. Ou même dans celui-là, si ça se trouve, vous aimez bien Brent aussi, hein, on ne sait pas. Donc voilà. Quel est votre personnage préféré dans Infamous? Parmi les trois porteurs. Ouais, c'est parti. Allô? Shane, je suis là. Désolé, ma belle, j'ai été distrait. Sors ton portable, tu verras. Le flic que j'ai soudoyé m'a enfin donné accès à leur caméra. Tu regardes un flux vidéo en direct. Et alors? C'est juste des flics? Oui, des flics chargés de protéger le commissaire. Un homme que je suis très pressé de rencontrer. Mais pour ça, il va falloir se débarrasser de son escorte. Je vais pas descendre tous ces types juste pour que t'aies ta réunion. Je vais faire diversion. Je ferai du boucan pour les obliger à sortir voir. Comme tu le sens, Trésor. Si cette réunion se passe comme je l'espère, je prendrai le contrôle de Seattle pour les années à venir. Et ton frère et toi, vous pourrez filer. Du boucan, c'est parti. Alors, causer suffisant. Ah, c'est parti. Alors, semer le chaos en ville. Ouh, ça c'est un truc qui me botte. Allez, on fait péter toutes les bagnoles. Je sais pas ce que tu fais, mais continue comme ça. Les flics commencent à baliser. Ouais, je sais. Bon, je tue des civils, mais c'est pas grave. Ils vont vers leur caisse. Continue le boxon. Ça va, ça va. Le bouchon. Ouf. Allez, sortez de vos bagnoles. Le commissaire se demande où sont passés tous ces hommes. C'est le moment pour moi d'aller me présenter. Viens avec moi, au cas où. Je préfère garder mon pistolet laser sous le coude. Elle est là! Oui. Appelez des renforts! Voilà. Où il veut que j'aille? Oula, il est bon monde! Faut que je parte d'ici? Ou je continue? Je m'amuse bien avec les filles. J'ai plus de jus. Ah, on retombe sur le taille. Laisse-moi tranquille! Non, j'ai plus du tout de jus, là. Allez hop. Je vais pas vous tuer, je suis une gentille fille. Ce truc est tombé. Ce machin est tombé, je sais pas d'où ça vient. Ok. Attends. Montez sur ta voiture. Tu me fais faire une balade? Vous vous rappelez? La balade du train? Cette fois, c'est en voiture. Voilà, on visite. Les flics m'ont lâché, donc c'est parti. Mmh.
C'est sur le toit. Oh, on va encore tirer des trucs de malade. Ne laisse pas les flics m'approcher. Je veux surtout pas être interrompu. Et n'oublie pas, la sécurité de ton frère dépend de la mienne. Alors, pas de conneries. Il est là, Nick. Maniez-vous. Ah, il arrive! You, le snipe! Ah, il y a un sniper là, il est. C'est des sacrés shoots qu'elle fait. Non! Rejoins le commissaire. Merde. Bah, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, je me plante. Hein. J'arrive moins comme ça. C'est bizarre. Hein. Bah, je tire carrément dessus, il fait rien. Je savais que t'allais te cacher là, ça va. J'aime bien, ça les fait exploser. Continue à les terroriser. Le commissaire est complètement flippé. J'aurai conclu le marché dans quelques minutes. Oui, mais je veux pas faire ça. C'est une gentille. Oula, là, ça commence à vraiment être le... Les mecs baraqués. Oh, le tas de flics qui s'amassent, là. Oh, le tas. Le commissaire voudrait te dire quelque chose. Arrêtez. J'offre à votre patron le même deal que j'avais avec les Akula. Mais quittez ma ville. T'entends ça? Tout le monde va avoir ce qu'il veut. Ah ouais? Où est mon frère? Il est dans un bâtiment à trois pâtés de maison d'ici. Je te laisse t'en charger. Et c'est tout? T'as entendu le commissaire? Tu quittes la ville et je suis un homme riche. Et tout le monde est content. Rejoindre le lieu d'échange. Ouais. Moi, pas confiance. Tu croyais pouvoir me faire mal? Eh ben, t'as perdu. Allez, frangin, où tu es? Où tu te caches? Oups, tu vas par là. Frangin? Je suis désolée, ma belle, mais le DUP se rapproche dangereusement. Maintenant que j'ai le commissaire de police dans la poche, t'es plus qu'un joli petit boulet. Oh putain, je suis enfermé. Du gaz toxique, ça lâche. Bah, j'avais pas trop le choix. C'est pas comme si te tirer dessus était efficace. Claire. Quand je sortirai d'ici. Je sais, poupée. C'est pour ça que je vais m'assurer que ça n'arrive pas. Tu comprends? Chaque fois que je sentais monter la panique, je me concentrais sur Brent. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir. Bren savait que si on quittait pas la ville, je m'en sortirais jamais. Il s'est mis à prendre des risques pour se faire du fric. Il voulait acheter un bateau et passer au Canada. Je lui ai dit que c'était dingue. Mais quand je l'ai vu rentrer avec des dents en moins, je me suis reprise. J'ai voulu raccrocher. Il m'a soutenue pendant ce calvaire. Je lui dois tout. C'est mon frère. Je l'aime.
Et rien ne pouvait m'arrêter. Shane avait Brent. Sans un accord, comment je pouvais le récupérer? Comment avez-vous pu vous échapper du tunnel? Auriez-vous développé un autre pouvoir suite à votre crise de panique? Oui, oui, je vous ai fait des cachotteries. Encore. Ok, je vais vous le montrer. Amenez-moi quelques types. Ah, je pense que c'est les missiles. Enfin. Appuyez sur R1 pour tirer sur un barrage de missiles guidé par infrarouge. Ok, j'adore. Impressionnant. Oui, très. Mais pourquoi me montrer ça maintenant? Cet entraînement, il fonctionne. Je me sens bien. Donnez-moi un truc plus costaud. Ok, mademoiselle. Va me sortir les gros. Restez au milieu du hall. Vous semblez avoir quelques démons personnels. Le porteur qui crée les hologrammes de combat est obnubilé par un jeu vidéo sur les démons. Je n'aime pas trop l'esthétique, mais leur potentiel formateur est indéniable. Ils vous pousseront dans vos retranchements. Réussir le défi premier cauchemar en battant 20 démons. Vague en approche. Oula ! C'est tout nouveau ça ! Allez, mademoiselle, ne fuyez pas vos problèmes. N'hésitez pas. Ah, ils sont classe, ces démons. Voilà, quand je vous disais que le pouvoir de gêne, c'était mon préféré. Oui. C'est bon de leur faire mal, n'est-ce pas? Nous sommes des porteurs. Alors, comment je recharge les missiles, par contre? Et nous devons nous défendre. Ouza, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ouf! Allez, faut que je me recharge. Ouchoua! Oh, gêne! Donne-moi ton pouvoir. Mais la satisfaction que vous ressentez en les tuant est bien réelle. Allez, tire! Shane, canalisez votre haine pour gagner en puissance! Je suis pas une mouche! Du vent! Où c'est quoi ces machins? Excellent! Tuez-les tous! La non! Vous a doté de ses pouvoirs. Ne reniez pas qui vous êtes! Ah, les petits anges! Et les démons! Il y en a encore un. C'est ça. La rage vous permet de contrôler votre environnement. Nous sommes des porteurs. Le monde se fie à notre volonté. Ah, celui-là, il est classe quand même. Des petites boules. On dirait une faux. Oui, une faux. C'est ça. Une tête de feu, non, mais attends. T'as une sale tête. Mais j'aimais quand même. Faire le plein. Et les anges, quelle gueule ils ont? Bon, c'est les mêmes anges. Débarrassez-vous des araignées de l'ombre grâce à vos fragments lumineux. Elle a... Ah, la stase. Vous y avez pris du plaisir, semble-t-il. Ouais, j'adore. Et libérer. Ah, c'est classe. Je me disais, tiens, ils vont apparaître à ces endroits-là. Vous avez déverrouillé la mission de survie de la reine Gamma. Gamma. Vous avez de quoi vous êtes capable. Les porteurs qui peuvent tourner le dos à leur passé ont bel et bien un avenir. Alors dites-moi comment se termine votre récit. Shane voulait ma peau. J'étais au pied du mur. Je devais attaquer de front. Le hic, c'est que je savais pas où étaient Shane et Brent.
Elle est morte? J'espère que oui. Tire-lui encore un peu dessus. Tu sais, juste pour être sûr. Où est Brent? Ça suffit! Dites-moi où est Chain. Fouillez les voyous. Oh, un casque. Et pile à ma taille. Convoi 3, aucun signe de Walker? Non, Chain a assuré. Avec tout le matos dans les camions, elle nous trouvera jamais. Chain rappliquera illico si je brûle la drogue dans les camions. Il n'y a plus qu'à les trouver. Oh, oh, oh. La antenne relais. Appuyez sur L3 à proximité d'une antenne pour y projeter vos pouvoirs lumineux. Ah, une sorte de radar, quoi. Salut les camions. Faites attention. Et j'arrive pile dessus. J'adore. Des trucs des démons, c'était classe de pouvoir les revoir, mais là. Matez-moi, car voilà! Elle a filé hors de portée! Et tu croyais pouvoir m'échapper? Je peux pas l'atteindre! Putain, il fait noir, je le vois même pas le mec. Je peux pas rejoindre sa position! Va faire dodo. Détruire la marchandise de Shane. Oh, avec grand plaisir. Missile! Je sais comment l'énerver. Oh, on peut même faire des tags sur le camion. Ah bah c'est bien, ça nous rajoute des tags. Alors... C'est la faute qui t'a donné l'idée. Allô? Salut, boss. Fetch. Quelle surprise. Discutons. Oh, j'en ai ma claque de discuter. Si tu veux parler, parle à tes drogues qui traînent sur le trottoir. T'as pas fait ça. Et si? Bye, chérie. Attends, raccroche pas. Ah. C'est un coup de feu. Jimmy, allez, mec. Réponds-nous. Ah, il y avait le deuxième camion. Souviens-moi. Ok, mais j'avais pas détruit. C'est la fille Néon! C'est la fille Néon! Faites gaffe au Néon! Oula, il y a tous les camions qui me rejoignent ici, là. Allez! Il en manque un. À la fin. T'as vu un peu? Alors, taguer un peu tout ça. Cool, Raoul. Ça va bien se passer. Ah! Ah oui, c'est joli. Allô? Écoute, sale garce, tu détruis encore un camion. Espèce de... Et Brent, tu as les mains. Compris? T'as
pas un... Va te faire foutre. Non. Teste-moi. Qu'est-ce que tu crois? Sans lui, t'as aucune, absolument aucune protection de ma part. Tu peux pas te permettre qu'il ait le moindre rhume. Continue à détruire ma propriété, et tu le regretteras. Oh oui. Oh. Vous voyez ? Vous me laissez faire mes petits tacs tranquilles ? Non, mais... C'est où ? Là, je peux plus taguer ? Zut ! Vas-y ! Ah, c'est pas facile encore une nuit. Un ennemi ! Il est où ? Salut ! Ah... Un Eminem. Allez, encore des rats. Non. Ça va laisser des traces. Il y en a qui met le feu. Et le dernier. Allez. Putain, ils ont disparu comme ils. Allô? Allô? T'as perdu une autre cargaison, champion. Mais pourquoi tu fais ça? Rends-moi Brent et j'arrête tout. Oh non, 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 non. Oh, tu vas te livrer au DUP et je libère. Parole de scout. Désolé, Dex. Quatre sur six, attendez, il n'y en a pas un plus près. Allez, c'est juste une fille! Une fille! Envoie-nous cette garce, on va s'en occuper. Tiens, tu crois que j'ai peur? Alors, il était pas loin. Je suis à l'ouest. Quelqu'un l'a vu? Faut que j'aille à l'est. Là. Continue à faire ce qu'on se déplace. Tu es si tu te plantes. Putain, ils envoient leur gaz là. Fou. Allez. Un petit dernier pour la route. Allez. Ouh. Oh là là. Trop bien fait. J'adore. Trouver le dernier camion. Allô? Bonjour, j'ai besoin de drogue. Oh mince, t'en as plus. Le DUP te traque. Ils savent que t'en as après ma cargaison. T'as plus qu'à fuir. Ils aimeraient sûrement savoir ce que contient ta cargaison. Il me semble que c'est un crime fédéral. Ils s'en foutent de moi. Ce qui les intéresse, ce sont les monstres. T'es la cible. Je suis qu'un citoyen serviable. Ouais. Je suis sûr qu'ils changeront d'avis quand ils auront ce qu'ils veulent. Ok. Eh ben, on verra ça pour... Les gars, hein? Y a des camions là-bas. Incognito, c'était marqué. Ok. Bon, bah on verra ça pour la prochaine fois. Je pense que ce sera la dernière. Après, on aura assez à l'arène, parce que pour l'instant, j'y ai toujours pas accès. Donc, je pense que c'est à la fin. Donc, ouais. Allez, parlez-moi. Les gars là-bas commencent sérieusement à flipper. Ouais, tant mieux. Mais on verra ça pour la prochaine fois. Donc, merci les gens, comme d'habitude, d'avoir suivi ce let's play. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.